Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence. Vous êtes ici, on s'est vu il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Donc cette fois, on va aborder un autre sujet. Alors, la semaine dernière, c'est l'index qui est venu. Donc effectivement, vous allez voir qu'il y a un rapport quand même, c'est du financement. Et donc là, on va voir d'autres choses, puisque on va un peu le summum, c'est-à-dire le financement, le financement entre autres par le haut de bilan. Voilà. Et donc, on a, pour vous présenter, on a la chance d'avoir Gilles-Emmanuel Truta, qui vient directement de Suisse. Donc un pays très, très actif sur tout type de financement. On entend énormément parler récemment, entre autres, sur toute la partie crypto-monnaie et entre autres blockchain, mais historiquement, naturellement, tout le monde connaît les banques suisses, entre autres les banques privées, peut-être un peu moins les financements, mais là où il y a des capitaux, il y a automatiquement des financements. Et donc, effectivement, la Suisse a quelques particularités, mais néanmoins, le private equity reste, entre autres, le private equity et le financement des entreprises reste le financement des entreprises, quel que soit entre autres le pays ou la région. Il y a une base qui est quand même connue. Donc, vous avez la chance d'avoir un grand spécialiste qui a fait énormément d'opérations sympathiques, des belles réussites, des introductions en bourse, des levées de fonds. Vous pourrez en parler avec lui. Et donc, il va vous présenter le métier du private equity, en tout cas sa vision. Et puis, vous aurez l'occasion de pouvoir échanger et de poser toutes les questions. Voilà. Merci beaucoup, Gilles-Emmanuel. Merci. Te laisse la parole. Donc, deux mots d'introduction pour vous dire qui je suis. Donc, j'ai commencé par faire une maîtrise de droit ici à Paris, à Paris 2. Et puis, après, j'ai travaillé à la bourse. Donc, j'ai commencé le 1er octobre 87. Donc, il y a un vieux courtier qui m'a dit « Toi, tu as une tête à avoir le crack ». On m'a dit « T'inquiète pas, tous les petits jeunes qui commencent, ils disent ça ». Et en fait, effectivement, j'ai vraiment vu le crack 19 jours plus tard où les cours ont perdu 30% en une semaine. Après 2 ans là, j'ai fait un MBA au Canada, à HEC Montréal. Après, j'ai travaillé un peu à New York. J'ai commencé à travailler à Paris, à la Banque du Louvre, qui était une banque familiale qui appartenait à la famille Tétinger. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait une petite équipe de corporate finance où on traitait les opérations de la famille et les opérations des clients de la banque. La famille Tétinger avait beaucoup de participation dans l'hôtellerie, le champagne évidemment, mais aussi un orfèvre qui s'appelait Audio et beaucoup d'autres. Et puis ensuite, moi je suis franco-suisse, donc je suis parti travailler à Genève où j'ai travaillé dans les banques, les grandes banques, Merrill Lynch qui est une banque très dynamique qui n'existe plus malheureusement. On va parler d'une autre banque qui a disparu aussi dans quelques minutes. Et puis après l'UBS qui est le mastodonte. Et puis après j'ai travaillé dans une banque privée à Zurich. Et la banque privée a rapidement été vendue en 2001 après 9/11, après le 11 septembre, à Crédit Suisse parce qu'il y a eu une concentration déjà dans les banques à ce moment-là. Et là, j'ai créé une boutique de private equity qui s'appelle Capital System et voilà, qui fonctionne depuis 17 ans. Alors ce soir, j'ai prévu de vous parler donc du private equity. Et j'ai pris un cours qui n'est pas le mien parce que je donne aussi des cours en MBA à HEG à Genève. Donc à Genève, vous avez 3 écoles. Vous avez l'Université de Genève, HEC et HEG. Voilà. Donc moi, je donne des cours à HEG. Et là, j'ai pris un cours que j'aime beaucoup, qui est un cours qui a été fait par un professeur qui s'appelle Aswad Damoran et qui est donné à la Stern School of Business à NYU. Donc vous voyez, vous avez bien fait de vous inscrire à Financia et à Supinfo, pour ceux qui sont à Supinfo, parce que vous venez ici et puis vous avez un cours de NYU. Donc, sans aller à New York et sans payer le prix de l'université américaine. Donc, je propose qu'on commence tout de suite. On va parler de private equity. Le private equity, c'est quoi? Donc, on va voir qu'est-ce que c'est, qui sont les investisseurs, qu'est-ce que ces investisseurs recherchent comme cible.
qu'est-ce qu'ils font de ces cibles, comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent à la fin de la journée, et est-ce que c'est bien ou c'est mal. Donc, c'est le côté moral de l'histoire. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le private equity? Donc, quand on parle de private equity, en introduction, on ne parle pas de venture capital. Donc, si vous écoutez BFM Business ou BFM TV, on parle tout le temps des startups, telle boîte qui a levé tant, etc. Ça, c'est du venture capital. Donc, on verra dans les graphes tout à l'heure qu'effectivement, il y a un retour sur investissement qui est très élevé, mais aussi un risque extrêmement élevé. Le private equity, ce n'est pas ça. C'est du financement d'entreprise par du capital et de la dette. Et c'est un mélange des deux. Et en fait, finalement, c'est de la restructuration d'entreprise pour des entreprises qui existent déjà, qui sont matures et qui sont en déclin. Le private equity, c'est ça. On en parle moins en ce moment parce qu'on parle beaucoup de toutes les startups. Il y a beaucoup d'argent pour les startups. Donc, le private equity original est un peu moins suivi par les journalistes, mais c'est ça. Alors, pour comprendre le private equity, il faut partir du bilan de l'entreprise. Donc, vous avez l'actif, le passif. Donc, les actifs sont les actifs de la société quand elle est targetée pour être achetée par un fonds de private equity. Vous avez les actifs immobilisés, les actifs circulants. Après, vous avez de la dette et des fonds propres. Ça, c'est le cas dans toutes les entreprises du monde. Simplement, quelquefois, il y a une dette qu'il faut restructurer, ou il y a des actifs qui ont perdu de leur valeur, ou alors des actifs qui sont sous-valorisés, et c'est là qu'on va intervenir. Ce que je disais tout à l'heure, vous avez des startups, okay, on en parle beaucoup. Donc les startups, ça commence avec un gars, c'est peut-être vous, dans la salle, vous avez créé une boîte demain. Bah, la boîte, elle va vous appartenir à vous à 100%. Vous et vos associés, si vous en avez, mais quelquefois, vous n'avez pas d'associés. Alors, évidemment, si vous êtes dans la tech, vous avez en général des associés, parce que c'est difficile aujourd'hui de créer une entreprise tout seul dans la tech. Mais si vous créez, je sais pas quoi, un magasin de fruits et légumes complètement novateur, bah, vous serez peut-être seul. Après, quand les entreprises grandissent, vous avez des venture capitalistes qui rentrent, qui vont vous manger une partie de votre capital. Donc, vous n'avez plus que 60% au bout de quelques années, parce que vous avez fait une levée de fonds, deux levées de fonds, trois levées de fonds. Ça vous a permis de grossir plus vite, parce que vous n'avez pas forcément besoin d'une levée de fonds. Mais si vous voulez aller vite, il y a ce qu'on appelle le time to market, et quelquefois, il faut aller vite. Alors justement, dans tout ce qui se passe en ce moment, dans tout ce qui est tech, si vous ne prenez pas le marché, bah, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre, parce que tout le monde, dans le monde entier, a le même objectif que vous, c'est-à-dire créer une boîte, que ça marche, et prendre le marché, qui est aujourd'hui un marché mondial. Et après, vous avez le stade ultime, qui est l'introduction en bourse. Donc là, l'introduction en bourse, on voit que typiquement, le VC qui avait 40%, il est dilué à 30%, ou il vend un peu l'introduction en bourse, le public à 25%, et le dirigeant perd la majorité à ce moment-là. C'est assez classique. Puis les dirigeants, quelquefois, descendent énormément et puis peuvent remonter dans le capital. Si vous prenez une boîte comme Peugeot, qui a plusieurs générations, bah, la famille Peugeot est descendue fortement dans le capital et puis après est remontée fortement. Bon, après, il y a eu le problème en 2008 où ils sont descendus, mais là, ils rachètent des titres sur le marché et ils remontent. Mais ils ne sont pas majoritaires. Alors, les sociétés cotées en bourse, vous avez plusieurs sortes. Vous avez celles qui viennent de rentrer en bourse. Vous avez celles qui restent en bourse et grossissent en bourse par des augmentations de capital, du M&A, où elles achètent un concurrent. C'est typiquement des boîtes comme L'Oréal. Donc là, effectivement, à chaque fois, les fondateurs sont dilués. Enfin, si vous appelez Bettencourt, que vous avez 15% de L'Oréal, je ne sais plus combien Bettencourt a de L'Oréal, mais ça représente de toute façon beaucoup d'argent. Donc le problème n'est pas là, puis c'est vous qui avez créé la société à un moment, donc vous êtes toujours aux commandes. Et puis, une société qui est mûre, qui est ancienne en bourse, il y a en général plus personne de la famille qui l'a créée. Et il y a par contre des dirigeants qui ont un petit pourcentage du capital, donc dans cet exemple-là, il y a 4%, et le reste, c'est dans le public, avec 96% du capital qui est dans le public. Ça, c'est le cas, je dirais, de la majorité des entreprises du CAC 40, et ce qu'on appelle les blue chips, c'est-à-dire les grandes entreprises. Et c'est celle-là qui nous intéresse aujourd'hui, parce que le private equity s'intéresse à ces entreprises-là. Voilà. Les autres, c'est des startups qui ont évolué vers la bourse.
plus ou moins vite. Alors, si on prend des exemples que vous connaissez tous, si on prend Facebook, Microsoft et Procter & Gamble, c'est des exemples intéressants, parce que si on reprend la slide derrière, vous voyez que c'est ça. Hein, c'est une jeune entreprise Facebook qui est en bourse depuis pas longtemps, une entreprise qui est jeune aussi, mais qui est en bourse depuis un peu plus longtemps, qui est Microsoft, et puis finalement, une entreprise mûre qui s'appelle Procter & Gamble. Donc Procter & Gamble, vous avez 3% du capital qui est détenu par les managers, et le reste est dans le public. Microsoft, Bill Gates, il a 18%. 18% d'une boîte, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de L'Oréal. Microsoft, ça vaut en bourse 715 milliards. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Et il a la légitimité pour être chef d'entreprise parce que c'est son père qui l'a créé. Et lui, il a toujours été dedans. C'est comme Obélix, il est tombé dedans quand il était petit. Donc il a la légitimité, ce qui est très important parce que sinon, le dirigeant se retrouve vite dehors avec 15%. Après, vous avez Facebook. Alors Facebook est une entreprise qui est en bourse depuis très peu de temps, qui pèse 500 milliards malgré ce qui s'est passé depuis deux jours où il y a eu à peu près 10% de la market cap qui s'est envolé. Et puis pour vous donner quelques autres exemples chiffrés, vous avez Uber qui n'est pas coté en bourse, qui vaut 69 milliards, et puis Airbnb qui n'est pas coté en bourse, qui vaut 31 milliards. Bon, alors tout ça c'est des chiffres importants, mais c'est bien de les mettre en perspective. Vous pouvez vous rappeler un chiffre, c'est que Booking.com, quand c'était racheté en 2004, je crois, ça a été vendu 161 millions. Donc, il y a une espèce d'inflation des valeurs. Pourquoi ? Parce que les sociétés grossissent et vont en bourse le plus tard possible, ce qui est effectivement une bonne stratégie. Alors, une société comme celle qu'on a vue tout à l'heure, qui est une société mûre, et là, il y a l'exemple de Procter & Gamble, mais il y en a beaucoup. Encore une fois, c'est la majorité des entreprises du CAC 40 et du New York Stock Exchange et de tous les marchés mondiaux. C'est une entreprise qui peut avoir différents problèmes. Alors, ce ne sont pas des problèmes toujours identifiés, mais ça peut être des problèmes de valorisation. Donc, c'est une société qui ne vaut pas très cher en bourse. Il y en a plein. Ça peut être une société qui est sur un mauvais business, parce que vous avez des business qui étaient des bons business, puis qui sont devenus des mauvais. Je prends l'exemple, par exemple, du chemin de fer, des trains, quand a commencé à arriver l'avion. Toutes les boîtes de chemin de fer, ou presque, ont été nationalisées. Aujourd'hui, le chemin de fer, ça commence à aller mieux, depuis déjà une dizaine d'années. Donc, il y a une espèce de retour. Et après, il y a d'autres business models qui ne sont pas mauvais en soi, mais où il n'y a pas de barrière à l'entrée et vous pouvez être dégagé facilement par un nouvel entrant. Troisième point de faiblesse de ces entreprises mûres qui sont en bourse depuis longtemps, c'est le management. Vous avez un ou des managers, des patrons qui sont nuls. Et il y en a plus qu'on ne le pense. Alors, il y en a moins aujourd'hui qu'à la fin des années 70, début des années 80, parce que vous avez eu les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses fait que tout le monde s'est endormi sur ses lauriers. Et donc, il y avait plein de sociétés, notamment en Europe, qui étaient, mais aux États-Unis aussi, qui étaient mal gérées. Et le ménage a été fait beaucoup dans les années 80. C'est pour ça que la bourse a bien marché dans les années 80. On va le voir après. Et puis, ça a continué dans les années 90 et 2000. Donc on voit que ce phénomène d'entreprise qui sont des mauvais performeurs en bourse sont dans à peu près toutes les régions du monde. Donc là, alors c'est petit, on ne voit pas, mais ça c'est le Brésil, ça c'est les marchés émergents, les États-Unis, et puis en général, voilà, vous avez le marché global, celle qui performe moyennement et celle qui performe mal. Donc c'est un phénomène mondial, ce n'est pas dû aux pays développés ou émergents, c'est pour tout le monde. Alors, là, vous avez une slide un peu compliquée, mais que je vais résumer rapidement. En fait, vous avez un value gap et un pricing gap. C'est-à-dire que ça, c'est ces deux concepts qui sont importants dans le private equity. L'investisseur en private equity estime que la boîte n'est pas valorisée comme il faut.
qu'on appelle un value gap. Et puis après, vous avez un pricing gap, c'est le prix auquel l'investisseur va racheter cette société. Et quelquefois, vous avez effectivement des sociétés qui sont peu valorisées, avec une volatilité qui fait que le marché, un jour, la valorise cher, l'autre jour, pas cher, etc. Et tout le savoir-faire et l'intelligence d'investisseur en private equity est d'être capable de payer le juste prix. Évidemment, il ne faut pas payer trop cher, parce que comme il y a de la dette dans les montages de private equity, ça peut être risqué. Alors, quand vous rentrez dans une entreprise comme ça, vous avez une possibilité, c'est par le management. Alors, si le management est nul, évidemment, l'investisseur en private equity va mettre tout le monde dehors, mais quelquefois les managers sont bons, mais dans une entreprise qui ne performe pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gars de la famille qui n'est même plus actionnaire, mais qui l'empêche de se révéler, ou il y a plein de choses qui font que dans une entreprise, il y a des gens bons qui ne donnent pas tout leur potentiel. Et si vous avez, en tant qu'investisseur en private equity, évalué que, monsieur là-bas qui rigole est bon, vous lui dites, voilà, on va faire un MBI, un management buy-in. C'est-à-dire que, en fait, ce manager, vous allez lui donner la possibilité de rentrer au capital. Et ça, en général, c'est très, très motivant, parce que le salarié peut s'endormir, alors que l'entrepreneur ne s'endort jamais, de toute façon, parce qu'il est intéressé au résultat. Et s'il n'est pas bon, de toute façon, il prend la porte assez vite. Donc là, vous avez le cas d'un management buy-in, où vous avez une entreprise cotée en bourse avec ce qu'on appelle les insiders, c'est-à-dire en fait les gens qui sont dans le COMEX, qui ont une toute petite partie de l'entreprise, quelques pourcents, le public à 96%. Et puis, après l'investissement en private equity du fonds de private equity, les investisseurs en private equity ont 20% de la société, et les managers, qui avaient presque rien, ils ont 15%. Donc ça, c'est un montage dont on a parlé beaucoup il y a quelques années. Aujourd'hui, il y en a moins. Alors, je ne sais pas si parce que les bons managers sont partis dans des startups et qu'il y en a moins dans les grosses sociétés. C'est un phénomène, ça c'est sûr. Mais c'est une manière de faire. Le private equity, le fonds de private equity, vous avez deux notions qu'il faut absolument connaître. La première, c'est general partner. La deuxième, c'est limited partner. Donc le general partner, c'est le gérant du fonds. Le gérant du fonds, c'est quelqu'un comme moi, par exemple, qui dit, cette entreprise est intéressante, on va investir dedans, et on fait venir des investisseurs avec soi pour investir dans une entreprise. Alors, soit c'est structuré sous forme de fonds, ça s'appelle un limited partnership. En France, ça s'appelle une société en commandite par action. Ça existe depuis la nuit des temps. Les bateaux qui ont, en 1492, qui sont allés conquérir le continent américain avec Christophe Colomb, c'était des commandites par action. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça permet à des gens qui ont envie de prendre un risque financier, mais qui n'ont pas le temps d'aller gérer une entreprise, de participer à une aventure industrielle. Alors, à l'époque, c'était les bateaux pour aller chercher de l'or à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, c'est pour investir dans des entreprises. Alors, quand un investisseur en private equity a décidé d'investir dans une entreprise, il y a plusieurs étapes. Alors, la première étape, c'est qu'il définit l'entreprise qui l'intéresse, et il va définir également le niveau de dette qu'il met dedans. Alors, on verra dans les graphiques après, le niveau de dette est assez variable. En général, quand tout va bien, comme en ce moment, le niveau de dette monte, ou comme en 2007, ce qui fait qu'en 2008, boum, badaboum. Et quand ça va moins bien, on met un niveau de dette plus raisonnable. Donc, il faut être pas trop gourmand et mettre un niveau de dette qui soit supportable par l'entreprise. Le fonds de private equity a préalablement levé des fonds auprès d'investisseurs pour investir en capital. Donc là, on est bien dans le mix de capital et de dette.
Donc, si on prend les ratios communément admis, on est en général entre 50% de capital et 50% de dette, sachant que le pourcentage de dette, comme je viens de vous dire, peut monter jusqu'à 70 ou 80% dans des périodes très favorables, quand les taux sont bas ou quand l'économie est suffisamment performante, donc il y a suffisamment de croissance pour permettre de rembourser cette dette. Ça, c'est la première étape. Donc, évidemment, les risques, c'est de se tromper de cible. Hein, ça peut toujours arriver. Alors, il y a un gars qui ne se trompe jamais de cible, c'est Warren Buffett. Donc, regardez ce qu'il a fait. Il y a un bouquin extraordinaire que je vous conseille à tous qui s'appelle « The Warren Buffett Way », où il explique sa méthode, qui est très simple, et il ne s'est jamais trompé. Voilà. Le deuxième risque, quand on choisit une cible, c'est de payer trop cher. Évidemment, on l'a vu tout à l'heure, il ne faut pas payer trop cher. Et le juste prix, c'est toujours très dur à définir. Après, une fois que l'investissement est fait, le fonds de private equity va opérer des changements dans l'entreprise. On va y arriver maintenant. Donc, ces changements sont de plusieurs ordres. C'est des changements soit de stratégie. Par exemple, si on prend l'exemple des wagons, c'est un exemple assez facile à comprendre. Vous avez plusieurs types de wagons. Vous avez les wagons citernes, vous avez le vrac, vous avez les wagons spécialisés, réfrigérés, etc. Donc, il peut y avoir une entreprise qui est sur tous les wagons à la fois. Puis finalement, elle ne gagne pas d'argent. Peut-être que si elle se concentre sur un seul type de wagon, très spécialisé, plus forte marge, elle va devenir leader mondial. Et là, elle gagnera de l'argent parce qu'elle pourra imposer son prix, ça s'appelle le pricing power. Donc, c'est un exemple très théorique, mais qui est assez parlant. Deuxième changement que peut faire le fonds de private equity, évidemment, c'est un changement de management. On l'a vu, souvent le management est endormi. Donc, les gens ont des gros salaires, des grosses voitures. Il y a un siège social, en général, très beau. Un très bel hôtel particulier, un très bel immeuble à New York, tout ce que vous voulez. Et il faut changer tout ça. Les risques sur cette étape-là de changement stratégique pour l'investisseur, c'est que s'il change de stratégie, il va vendre des actifs. Donc, par exemple, dans l'exemple des wagons que je vous ai donné, il va garder les wagons réfrigérés et puis il va vendre les autres. Donc les wagons citernes, il s'aperçoit que ça ne vaut rien. Pourquoi ? Parce que le pétrole est bas, plus personne n'en veut. Pas de chance. Et puis les wagons de vrac, l'acier est au plus bas et le dollar aussi. Et puis comme l'acier, ça se paye en dollars, du coup, la vente d'actifs qu'il a prévu de faire va mal se passer. Donc ça, c'est un risque au niveau stratégique qu'il faut prendre en compte, évidemment. Enfin, il y a d'ailleurs un exemple dont on parle en ce moment, c'est Toys R Us. Hein. Donc, Toys R Us, c'est un exemple de LBO là, qui a mal tourné. Donc, vous avez des investisseurs en private equity qui ont probablement mis, je ne connais pas les ratios, mais qui ont sûrement mis trop de dettes, et puis sur un marché où les actifs ne valent plus rien. C'est-à-dire qu'un magasin de jouets qui valait quelque chose il y a quelques années, en général, quand on restructure une entreprise, on ferme les magasins les moins rentables ou on les vend à une autre chaîne. Ben là, les magasins, ils valent zéro. Pourquoi ? Parce qu'il y a Amazon et le monde change vite. Dernier point, une fois que ces restructurations sont faites, l'investisseur en private equity, il va vendre la société. Alors la meilleure manière de la vendre, c'est quoi faire ? La remettre en bourse. Donc il est arrivé, il a souvent retiré la société de la bourse, pas toujours, mais très souvent. Ça s'appelle un public to private. Et derrière, quand il ressort quelques années plus tard, donc le timing pour un fonds de private equity, c'est en général 7 ans. Les investisseurs donc, qui rentrent dans le fonds en capital sont bloqués pour une durée minimum 7 ans, mais qui peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, c'est des périodes très très longues. Et période très longue veut dire retour important. Donc, on verra les retours tout à l'heure, c'est assez intéressant. Et donc, derrière, la sortie se fait par le retour de la société en bourse ou alors la vente à un autre fonds de private equity. Et les investisseurs se passent des entreprises comme ça plusieurs fois parce qu'une fois que l'entreprise a été redressée, elle performe bien. Puis là, vous avez d'autres fonds qui peuvent arriver et sont intéressés pour faire du développement. Donc, là, on ne parle pas de restructuration, qui est l'objet de ce cours, mais on parle plus de développement. Il y a un très bon exemple en France, c'est Picard Surgelé.
Pierre Sojolet, il y a eu 8 ou 10 LBO depuis 20 ans sur la société. Donc les investisseurs rentrent, ont un objectif stratégique. Donc là, il y a eu tellement de LBO que le management est très haut niveau. Mais chaque investisseur a une idée stratégique pour cette entreprise, qui était une entreprise, encore une fois, qui était un tout petit truc franco-français, qui marchait moyen. Donc le premier fonds a fait tout le boulot dont on vient de parler. Et puis le deuxième a dit, on va conquérir l'Europe. Puis le troisième, je ne sais pas quoi, l'Amérique du Sud. Et il y en a eu 8. Quand il y a une sortie pour un fonds, il y a plusieurs risques également. Il y a notamment un risque de timing. Alors, vous pouvez très bien être en période de sortie quand tout d'un coup, il y a une crise mondiale qui arrive, une crise macroéconomique comme en 2008. Donc là, vous êtes coincé. Donc, soit vous vendez à la casse, ce que vous ne voulez pas faire, ou soit vous attendez. Donc, c'est pour ça que les fonds ont une durée de 7 ans, mais avec une période qui peut s'étendre par période d'un an jusqu'à 10 ans en général, pour permettre de passer ces creux-là. Bon, ça, c'est une première raison. Deuxièmement, il y a une mode. Dans l'investissement, c'est comme dans la fringue, il y a des modes. Donc, il y a quelques années, c'était la mode des panneaux solaires. Donc, il y avait des projets de panneaux solaires partout, tout le monde voulait en faire. Aujourd'hui, plus personne n'en veut, le panneau solaire. Et c'est comme ça pour tout. Donc, si vous êtes dans un secteur et tout d'un coup, le vent tourne et ce secteur n'intéresse plus, et que c'est le moment de sortir, vous ne sortez pas aussi bien que vous voulez sortir. Donc, comme on voit, il y a des risques à tous les étages. Il faut maîtriser ce risque. Alors, maintenant, on va voir qui sont ces investisseurs en private equity. Je prends une petite gorgée. Donc, le private equity est une industrie relativement récente. Donc, dans les années 70, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez sortir. Hein. Vous rigolez depuis le début, donc soit vous vous calmez, soit vous sortez tout de suite. OK ? Donc c'est une industrie relativement récente qui a démarré aux États-Unis dans les années 70 et qui a vraiment commencé dans les années 80. Donc là, vous avez un gars absolument génial, tellement génial qu'il a fait de la prison d'ailleurs. Il était condamné à 10 ans de prison, 89 chefs d'inculpation pour fraude, qui s'appelait Michael Milken de la banque Drexel Burnham Lambert. Et ce gars-là, qui est quand même un génie de la finance, il y a un peu trop tiré sur la corde. D'ailleurs, il y a un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Wall Street, qui est sorti en 87, qui reprend son histoire. Et Michael Milken a créé les junk bonds. Donc en fait, il a vu ces entreprises qui avaient un potentiel, mais qui n'étaient pas finançables, parce que c'était des entreprises qui marchaient mal, mais qui avaient un potentiel. Donc lui, il est allé voir des investisseurs, il leur a dit voilà, on va créer un junk bond, donc une obligation spéculative. En fait, c'est ça que ça veut dire, parce qu'il y a un risque, parce que l'entreprise qu'on va financer marche mal. Et en contrepartie de ce risque, je vais vous rémunérer un taux élevé. C'était de l'ordre de 20% à l'époque. Pourquoi ? Parce que les taux étaient à 10. Alors aujourd'hui, où les taux sont à 0, ce seraient des obligations à 10-12%. Et il a commencé avec toute une série d'entreprises qui étaient cotées en bourse à New York, en les finançant, en gardant les actifs stratégiques, en revendant tout ce qui était non stratégique. Et donc la société était redressée et le cours de bourse à chaque fois explosait et les investisseurs étaient remboursés. Bon, est arrivé le krach de 87, ce qui n'a pas empêché de s'arrêter. Il y a eu un autre gars assez connu, vous pouvez aller voir sur Internet, il s'appelle Carl Icahn. Donc c'est vraiment, on dirait, on peut dire aujourd'hui, les fondateurs du private equity moderne financés par de la dette. Après, il y a eu une période d'accalmie, parce qu'ils ont tous eu un peu des problèmes avec la justice, parce qu'ils étaient très... Il y a la notion de délit d'initié avec la fameuse directive abus de marché qu'Alfonso connaît bien, là, parce qu'il travaille chez Financière d'Uzès. Bon, c'est une directive européenne qui est rentrée en force l'été dernier. Le délit d'initié, ça existe surtout depuis, ça a toujours existé, mais ce n'était pas sanctionné. Et puis ça a commencé à être sanctionné à la fin des années 80. Et évidemment, ces gens-là étaient tellement proches du management qu'ils avaient des infos avant tout le monde. Donc à un moment, le régulateur américain a tapé sur la table et tout s'est arrêté. Mais comme ce mode de financement des entreprises avait été créé, en général, quand quelque chose est créé et que c'est intelligent et que ça rend service à tout le monde, aux entreprises, aux investisseurs, aux
employés qui voient une entreprise qui marchait mal tout d'un coup bien marcher. C'est reparti dans les années 90 avec une forte explosion dans les années juste avant la crise, hein, 2005, 6, 7. Évidemment, 2007 était l'année où il y a eu le plus d'opérations avec beaucoup de dettes, ce qui fait que en 2008, quand le marché s'est retourné, tout d'un coup, il y a eu de nouveau un coup d'arrêt. Mais comme vous pouvez voir, c'est très vite reparti. Donc là, on a les chiffres jusqu'à 2011, mais aujourd'hui, en 2017, on est dans des chiffres de nouveau comme 2006. On n'a pas encore atteint le niveau de 2007 en termes de volume d'opérations, mais probablement on va le dépasser dans les deux ans qui viennent. Alors, on a vu tout à l'heure quelques pays. Je vous disais que le private equity était global. Là, on voit, si on reprend le schéma, ce schéma-là et qu'on l'applique au monde entier, ça c'est un graphe américain. Et là, on a le reste du monde. Donc, les États-Unis représentent évidemment une grande partie. On a l'Europe, l'Asie-Pacifique et puis le reste du monde. Bon, il est clair que dans les graphes d'aujourd'hui et surtout de demain, probablement, on aura évidemment toujours les États-Unis, l'Asie-Pacifique à la place de l'Europe et l'Europe ici. Hein, parce qu'en Europe, il n'y a pas grand-chose qui a encore commencé. Et puis, l'Asie a pris une telle place, surtout la Chine, mais aussi l'Inde et puis d'autres pays, parce que maintenant, il y a beaucoup d'économies émergentes qui marchent bien. Et quand les économies marchent bien, la banque centrale baisse les taux. Et quand les taux baissent, on peut commencer à faire des opérations comme ça. Voilà, ça c'est un détail sur les marchés émergents et on voit que l'Asie c'est ça. Après vous avez l'Amérique du Sud, ça c'est les anciens pays du RSS et ça c'est l'Afrique et le reste du monde. Donc l'Asie compte, on le savait, mais aussi dans cette industrie-là. Alors ça c'est les grands acteurs. C'est important de les connaître, aller faire une recherche sur Internet, c'est toujours intéressant. Ce sont des très grands noms. Si vous vous intéressez à cette industrie du financement d'entreprise, allez les voir. Donc le plus gros, c'est TPG, Texas Pacific Group, qui est basé au Texas, à Fort Worth, comme son nom l'indique. Blackstone, donc Blackstone, on entend parler tout le temps sur CNN, parce qu'ils sont partout. Là, c'est le montant de leur levée de fonds dans les 5 dernières années. Juste les 5 dernières années. Et les 4 premiers ont levé chacun plus de 40 milliards de dollars. Donc, c'est des sommes absolument colossales. Après, vous avez KKR, Goldman Sachs. Alors, Goldman Sachs, c'est bien parce qu'ils sont de tous les côtés. Donc, ils font du conseil, de l'investissement. Donc, c'est pour ça qu'ils sont souvent mal aimés, parce qu'ils ont de l'inside information. Il ne faut pas le dire, mais c'est quand même la vérité. Après, vous avez Carlyle, CVC Capital Partners, Apax. Alors ça, c'est les deux premiers Européens. Donc le premier Européen CVC qui est à Londres est sixième. Apax, qui est à Londres aussi, est septième. Et puis après, c'est de nouveau que des Américains. Apollo, Bain, etc. Un des fonds français qui peut vous intéresser, que vous pouvez aller voir, c'est PAI, anciennement Paribas Affaires Industrielles. Donc Paribas avait une activité de private equity au sein de la banque, sauf que c'est consommateur de capitaux. Donc quand est arrivé, c'était même pas Bâle 3, à l'époque c'était Bâle 2, Paribas a décidé de vendre cette activité. Cette activité a été vendue à l'équipe de management en fait. Vous avez aussi Eurazeo. Donc Eurazeo, on en parle beaucoup, et je passe à la slide d'après, parce que derrière tous ces noms, il y a des gens. Donc là, vous n'avez que des Américains, puisque l'essentiel des fonds sont des Américains. Mais si vous regardez l'actualité, vous avez une fille qui était avec moi à la Banque du Louvre, qui s'appelle Virginie Morgon, qu'on surnomme la Louvre de Wall Street, qui est un mélange d'intelligence et de brutalité. Alors c'est une jolie petite blonde, hein, mais elle a fait une carrière remarquable, bien meilleure que la mienne. Et aujourd'hui, elle prend la tête de Eurazeo, voilà, qui est un gros fonds de private equity français. Donc, et elle habite à New York. Donc il y a aussi en Europe des gens qui font du bon travail, tant mieux. Alors,
Les cibles des investisseurs en private equity sont donc des entreprises qui sous-performent et qui ont un management qui est peu ou pas actionnaire. Ce qui permet quoi? Ce qui permet de racheter les actions. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que si vous avez une famille qui a encore 40% du capital, elle ne voudra pas voir un fonds de private equity qui rentre dans le capital. Parce qu'en général, les objectifs stratégiques ne sont pas les mêmes et ça se passe mal. Donc ça ne se passe pas en fait. Donc dans une entreprise où vous avez des managers qui ont 3%, le reste côté en bourse, on peut faire une opération. Donc on fait une opération soit par OPA ou soit par rachat concerté. Ça dépend du marché sur lequel vous êtes et de ce que vous voulez faire. Alors les raisons d'investir là sont détaillées. Donc dans 50% des cas, c'est parce que la société est sous-valorisée en bourse. Donc vous avez un exemple en ce moment qui était justement une star déchue, c'est General Electric. Donc regardez General Electric, qui est un énorme conglomérat qui était un peu dans tout, aussi bien dans le financement justement d'actifs que dans l'immobilier, dans les machines, dans l'électricité. Enfin, c'est vraiment le gros conglomérat qui marchait bien. Et puis aujourd'hui, ça ne marche plus depuis assez longtemps. Donc cette société est très peu valorisée en bourse. Donc il n'y a pas d'opération dessus, mais peut-être qu'il y en aura une un jour. Et donc dans 50% des cas, vous avez une sous-valorisation qui fait que les gens, les investisseurs en private equity regardent et commencent à s'intéresser au dossier. Les autres raisons qui vont pousser un investisseur en private equity à investir, à se déclarer, c'est la structure du capital. Donc vous pouvez avoir un capital complètement éclaté ou des actionnaires qui ne s'entendent pas. Donc les actionnaires qui ne s'entendent pas dans une entreprise, c'est la fin en général. Hein, parce que tout le monde tire la couverture à soi et puis ça ne marche pas. Après, c'est une mauvaise stratégie, on l'a vu tout à l'heure. Après, c'est le fait de vendre des actifs non stratégiques. On l'a vu tout à l'heure dans l'exemple des wagons. Et après, c'est la gouvernance. Vous avez des entreprises qui sont avec une très mauvaise gouvernance. Alors si on prend la France, c'était par exemple toutes les entreprises nationalisées. Alors aujourd'hui, ça va mieux parce que le ménage a été fait, notamment chez Renault, hein, où Carlos Ghosn a fait le ménage, mais vous avez des entreprises où il y a des choses qui sont contre une bonne gouvernance classique, on va dire. Alors après, si on regarde les secteurs, donc ça, c'est aussi intéressant. Donc le secteur où il y a le plus d'opérations de private equity, c'est le secteur industriel. Vous avez des usines. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est des entreprises qui datent pas forcément du 19e siècle, mais enfin en tout cas du 20e, et qui se sont endormies sur leur laurier. Un très bon exemple, alors ce n'était pas des entreprises cotées en bourse, mais en termes d'industrie, c'est un bon exemple, c'est l'industrie horlogère suisse. Dans les années 70, l'horlogerie suisse était morte. Il n'y avait plus rien, parce que les gens s'étaient tous endormis. Et il a fallu qu'il y ait un gars qui s'appelle Hayek, hein, c'est pas Nicolas, c'était son père, qui a sorti la Swatch et ça a réveillé tout le monde. Mais c'est un bon exemple. L'industrie est donc un gros pourvoyeur de deals de private equity. Après, c'est la pharma. Donc la pharma, pareil, en général, quand les gens gagnent trop d'argent dans une industrie, hop, tout le monde s'endort et puis après, ça marche moins bien. Et donc la pharma, il y a beaucoup de deals. Après, c'est la technologie, hein, surtout software, mais aussi semi-conducteur. Puis après, il y a tout le reste, avec quand même un segment assez important, c'est le retail, donc les supermarchés. Là, par exemple, il y a Carrefour. Hein. Carrefour, ça fait longtemps que ça ne va pas bien. Ça fait longtemps qu'on dit que ça va être racheté. Aujourd'hui, il ne s'est rien passé, mais il va sûrement se passer quelque chose un jour. Alors, ça peut durer 20 ans. Ça fait déjà 20 ans que ça... Ça fait 15 ans que ça dure pour Carrefour. Et puis après, vous avez tout le reste. Donc, médias, services financiers, télécoms. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a moins d'opérations? Tout simplement parce que les entreprises sont mieux gérées. Les entreprises de télécoms, c'est une entreprise récente et elles sont bien gérées. Orange, quand ça va mal, on serre les boulons et puis tout de suite, ça va mieux. Donc Orange a eu un petit passage à vide entre 2008 et l'année dernière, mais ça n'a pas duré. Voilà. Pourtant, c'est une machine à cash, il pourrait très bien s'endormir. Les entreprises les plus récentes sont aussi les plus réactives. Et c'est la même différence que vous avez entre l'aéronautique, un secteur difficile, où il y a des entreprises qui vont mal, mais qui réagissent assez vite, et justement l'industrie ferroviaire, la SNCF, compliqué à réformer. Alors,
Je vais pas détailler cette slide parce qu'elle est écrite en petit, c'est pas lisible. Mais en fait, ce qui est important là-dedans, c'est le coût du capital. Donc, si vous avez fait des cours d'économie, vous savez ce que c'est que le coût du capital. Il faut le calculer et c'est le coût du capital de l'equity, donc des fonds propres, par rapport à celui de la dette. Donc, le rôle de l'investisseur en private equity, c'est de bien définir le coût du capital pour investir dans la bonne poche. Donc, la poche capital et la poche dette. Et si la dette est chère, évidemment, il vaut mieux mettre plus de capital. Si la dette n'est pas chère, il vaut mieux mettre plus de dette. Sauf que, attention, quand on met trop de dette, après, on est en danger. Après, sur la gouvernance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne gouvernance ? Alors, une bonne gouvernance, c'est déjà avoir un conseil d'administration bien constitué. Donc, il y a plein d'entreprises qui ont des conseils d'administration de complaisance, on va dire, où les gens viennent pour toucher un jeton de présence. Alors, dans ces cas-là, évidemment, l'investisseur en private equity va changer le conseil d'administration, va changer le board. Et il va mettre, évidemment, des représentants des actionnaires, qui peuvent être donc les salariés, enfin le management dans le cadre d'un management buy-in, qui va être lui-même, c'est-à-dire les représentants du fonds, qui peut être aussi les représentants des créanciers. Si vous avez une banque qui accompagne avec la dette, souvent la banque voudrait être au board aussi, même s'ils ne sont pas investisseurs en capital, et les administrateurs indépendants. Donc on parle beaucoup d'administrateurs indépendants depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, et le rôle d'administrateur indépendant est tout à fait crucial parce que l'administrateur indépendant, il vient d'une autre industrie ou d'une industrie connexe et il va amener des idées. Voilà. Donc il y a par exemple l'ancien PDG de Peugeot, Jacques Calvet, quand il a pris sa retraite, il était administrateur indépendant dans plein d'entreprises. Et comme il avait managé Peugeot, qui était quand même une entreprise très compliquée, parce que l'automobile, ça marche mieux maintenant, mais pendant plusieurs années, c'était très difficile, il avait une grande valeur ajoutée en fait. Après, une bonne gouvernance, c'est quoi? C'est un, le conseil d'administration, et deux, le top management. Donc le top management, c'est qui? C'est le directeur général, hein, le CEO, c'est le directeur financier. Et puis après, si vous êtes chez Total, c'est le directeur d'exploration. Ça dépend du secteur dans lequel vous êtes. Mais il y a quand même dans les grandes entreprises, on va dire, une dizaine de top managers et puis plus tous les gens qui sont en dessous. Comment est-ce qu'on fait pour choisir des bons managers et les motiver? En général, on commence par baisser leur salaire et on leur donne un incentive. Et l'incentive, c'est qu'ils sont actionnaires. Et donc, s'ils sont bons, ils vont gagner beaucoup d'argent. Alors, ils en gagnent moins tout de suite parce que leur salaire baisse, mais demain, ils en gagneront plus. Et c'est une motivation qui fait qu'en général, les gens sont... très dynamique et très dans leur job. Voilà. Ils ne vont pas jouer au golf toute la journée. Alors, les dépenses que vont faire les investisseurs en private equity quand ils rentrent. Donc en général, d'abord, ils ne dépensent pas, ils serrent les coûts. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Mais si on fait que serrer les coûts, on va pas très loin. Donc serrer les coûts, ça veut dire souvent vendre un siège social, comme on a dit tout à l'heure, qui est un bel immeuble et qui n'a pas grand intérêt, et se mettre en location. Donc on vend le siège social à Paris, puis on va se mettre en location à la Défense. Licencier des gens en trop parce que les entreprises produisent du gras. Alors on licencie qui? Pas les ouvriers, contrairement à ce qu'on pourrait croire en écoutant les journalistes, mais on licencie les cols blancs, donc les gens qui sont en middle management, parce qu'il y a des strates qui sont faites au cours des années, et c'est des gens qui sont très préjudiciables à l'entreprise, parce que ce sont des petits chefs. Le petit chef, il n'y a rien de pire. Donc en général, on écrase la pyramide hiérarchique et ça va beaucoup mieux. Et après, on réinvestit. On réinvestit dans quoi? En général, dans la R&D. Okay. Pourquoi? Parce que la R&D, c'est l'avenir de l'entreprise. Alors, c'est pas toujours de la recherche, c'est souvent du développement, mais c'est là que vous allez avoir de nouveaux produits et derrière, aller conquérir de nouveaux clients. Donc, un, la R&D et deux, le marketing. Pourquoi? Parce que il faut vendre. Si vous avez une bonne idée et que vous ne la vendez pas, vous n'allez pas loin. Donc, toutes les entreprises sont là pour vendre. Et finalement,
On a vu en début du cours que dans votre bilan, vous avez des actifs. On a vu que ces actifs peuvent être sous-valorisés. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va réévaluer les actifs. Et donc pour réévaluer les actifs, on vend justement des actifs qui sont quelquefois très intéressants, mais qui ne sont pas dans la stratégie, qui ne sont pas dans le core business, comme on dit en anglais. Je vous donne un exemple, parce que les exemples, c'est toujours parlant. C'est Danone qui a vendu dans les années 2000 sa division bière. Alors, la bière, c'est intéressant parce que ça ne coûte rien à produire, c'est vendu cher. Des buveurs, il y en a toujours. Et, par contre, Danone, c'est des biscuits et des yaourts. Donc la bière, qui est de l'alcool, n'avait rien à faire là. C'est bien pour Pernod Ricard. Et d'ailleurs, ça a été racheté très cher, très vite. Et ça a permis à Danone de se recentrer sur son activité stratégique, qui sont les biscuits et les yaourts. Voilà. On accuse souvent les fonds de private equity de vendre justement des actifs pour récupérer le cash et se le servir. On verra plus tard que ça arrive dans certains cas, mais c'est assez faux. Et justement, cette génération de cash par vente d'actifs va permettre de réévaluer l'actif stratégique de la société, qui est son core business. Ou de nouveaux business. Ça arrive. De plus en plus, d'ailleurs. Alors, ça, c'est un graphique qui explique la rentabilité financière des investissements en private equity. Donc là, la rentabilité, en fait, la croissance du résultat opérationnel, hein, du résultat d'exploitation, avant et après. Donc, ça, c'est pour les deals sans dette. Ça, c'est pour les deals avec de la dette. Et ça, c'est pour les deals avec beaucoup de dettes. Donc, on voit qu'avant, en année moins 2, l'entreprise perd de l'argent. En année moins 1, elle perd toujours de l'argent. En année 1, après le LBO, elle gagne beaucoup. Et après, ça redescend. Pourquoi? Parce que la croissance, évidemment, des résultats d'une année sur l'autre est très forte l'année où vous faites des changements. Après, votre croissance faiblit, mais les résultats sont positifs. Et c'est ça qui est valorisé. Et quand vous avez de la dette, vous voyez que l'effet de levier est bien plus important. Donc, petit rappel de ce que c'est que l'effet de levier pour ceux qui ne savent pas. Quand vous empruntez à 2 et que votre entreprise rapporte du 10, vous avez 8 de delta. Et ça marche même quand les taux sont élevés, puisque dans les années 80, les taux étaient à 10%. Si vous avez une entreprise qui a une marge opérationnelle, une marge d'exploitation de 20 ou 25%, quand vous empruntez à 10, ce n'est pas grave. Et c'est pour ça qu'il y a des fonds de private equity qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle la mezzanine. C'est vous avez la dette senior, qui est la dette bancaire, à des taux très bas. Puis vous avez la dette mezzanine, qui est à un taux plus élevé. Et puis après, vous avez le capital. Et donc, quand vous calculez le coût du capital, comme on disait tout à l'heure, vous pouvez très bien mettre de la dette mezzanine, même si elle est à 6 ou 8% comme en ce moment, parce que si votre entreprise rapporte plus, c'est intéressant. Par contre, on voit que quand il y a trop de dettes, voilà, l'effet n'est pas forcément très bon. Donc, le calcul de la répartition equity et dette est très important. Alors, là, on a justement le niveau de dette utilisé dans les années entre 2000 et 2011. Et on voit que ce niveau tourne entre 60 et 70%. Donc évidemment, si vous avez un deal qui est très leveragé, vous êtes à risque, ça ne va pas vous rapporter forcément plus comme on a vu précédemment. Et puis, en 2009, quand les banques ne prêtent pas, on est à 50 et quelques %. Après, vous avez la répartition entre la dette senior et la dette subordonnée. Comme vous voyez, la dette subordonnée ou mezzanine, c'est toujours une petite partie. Mais ça permet de faire le deal. Parce que si vous n'avez pas assez et que votre coût du capital en equity est trop élevé, c'est dommage de dépenser de l'equity alors que vous pourriez avoir de la dette. Sauf que de temps en temps, même très souvent, les banques, elles bloquent parce qu'elles ont leurs propres contraintes, leurs propres ratios. Et du coup, l'opération ne se fait pas. Alors, ça, c'est le taux de défaut sur les opérations de private equity leveragées. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les entreprises qui ont été liquidées, qui ont fait l'objet d'un LBO et qui ont été liquidées,
sont au taux de 11%. Okay. Les entreprises sur lesquelles il n'y a pas eu d'opérations de private equity qui sont liquidées parce qu'elles ne marchent pas, c'est 16% des entreprises. Donc, ça veut dire que le private equity est bon pour l'économie, puisque vous gagnez 5 points, ce qui est tout à fait considérable. Donc là, par exemple, en 2008, c'est les entreprises qui ont fait faillite, sur lesquelles il n'y avait pas eu d'opération de private equity. Donc en 2008, il y a eu quand même 19%. Et celles sur lesquelles il y avait une opération de private equity, le taux est à 15%. En 2009, il y a eu peu de faillites d'entreprises. Par contre, là, c'est inversé. C'est inversé, pourquoi ? Parce que comme il y a eu la crise, je pense que les deals leveragés ont explosé en cours de route. Mais sur le long terme, c'est 11 contre 16. Alors, il y a une critique récurrente, maintenant on va rentrer un peu dans les critiques du private equity, qu'on entend souvent, notamment dans la bouche des syndicats, qui disent les fonds de private equity, les financiers s'en mettent plein les poches, prennent toute la substance de l'entreprise pour eux. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre la substance d'une entreprise ? C'est en se versant des dividendes spéciaux, des dividendes extraordinaires. Mais en fait, c'est assez rare. Parce que sur une étude où il y a eu 788 opérations de private equity qui ont été étudiées, entre 93 et 2009, donc sur quand même une très longue période, on s'aperçoit qu'il y a seulement 42 cas de dividendes extraordinaires. Donc ça fait à peu près moins de 5%. Donc vous avez effectivement 5% des cas où vous avez des gens peu scrupuleux qui prennent de l'argent pour eux dans l'entreprise pour se la mettre dans la poche. Il y a quelques cas assez connus. Il y en a un en France qui s'appelle Page Jaune. Donc Page Jaune, vous avez plusieurs fonds qui, l'un après l'autre, sont allés traire la vache là parce qu'il y avait tellement de cash flow chez Page Jaune, mais à un moment, ça n'a plus marché. Donc c'est pour ça que la société aujourd'hui, elle existe encore, mais on ne sait pas pour combien de temps, parce qu'elle n'a pas pris le virage Internet, ou mal, elle l'a pris mais mal. Et puis vous avez Google, et qu'est-ce qui va encore voir les pages jaunes et faire de la pub sur pages jaunes ? Il n'y a plus grand monde. Et après, une autre manière de prendre du cash dans la société, c'est de céder des actifs, comme on a vu tout à l'heure, sauf qu'on peut les céder pour une bonne raison ou pour une mauvaise raison. Alors, est-ce que les fonds de private equity gagnent de l'argent ? Alors, là, ça, c'est un graphique qui montre quand une opération de private equity est annoncée, c'est l'impact sur le cours de bourse. Donc, en fait, vous avez un cours de bourse qui se traîne avec un volume assez bas. Tout d'un coup, on annonce une opération de private equity, le volume augmente. Le cours monte et le volume augmente parce que vous avez des gens qui voient la bonne affaire, qui disent bah justement j'étais collé sur ce titre depuis des années et qui ne faisait rien, je sors. Et puis vous en avez d'autres qui rentrent. Qu'est-ce qui rentre ? C'est les hedge funds. Parce que vous avez une catégorie de hedge funds qui s'appelle event-driven, qui sont déjà des gens qui ne rentrent, des types de hedge funds qui ne rentrent que quand il y a une opération qui est annoncée. Et donc là c'est le cas. Pourquoi ? Parce que le LBO il va se faire à ce niveau-là. Le fonds de private equity va dire, voilà, je rachète la société à ce niveau-là. Je donne une prime sur le cours de bourse. Parce que sinon, évidemment, il n'aurait pas les actions. Évidemment, il aimerait mieux acheter là, ça c'est sûr. Tout le monde a envie d'acheter buy low, sell high. Hein. Ça, c'est la base, mais ce n'est pas possible. Donc, il y a tout un tas de gens là, qui se positionnent et qui vont vendre quelques jours plus tard avec une plus-value qui est confortable pour eux, qui n'est pas la même que celle du fonds de private equity, mais quand même. Alors, comment est-ce qu'un fonds de private equity gagne sa vie ? Vous avez trois types de revenus. Comme dans tous les fonds, vous avez un management fee. Donc, il y a une équipe de gestion qui crée un fonds. Alors, en Europe, c'est des fonds luxembourgeois. Aux États-Unis, c'est des fonds caïmans. Enfin, c'est la même chose. Et cette équipe de gestion va appeler du capital auprès d'investisseurs qui sont des investisseurs particuliers comme les FCPI par exemple en France, des investisseurs institutionnels qui sont les fonds de pension. Alors les fonds de pension, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'aussi il y a une mauvaise interprétation du terme, c'est des caisses de retraite. En France, ça s'appelle des caisses de retraite. C'est la même chose que les fonds de pension. C'est des gens qui ont accumulé des réserves, et ces réserves, c'est l'argent des gens, hein, tous les salariés qui mettent
200 euros par mois ou plus dans leur retraite, ça va dans une caisse qui est gérée et qui va faire ce type d'investissement pour générer des profits pour payer les retraites futures. Donc le management fee est pris en fait sur cet argent, c'est de l'ordre de 2% à peu près par an, ça couvre les coûts et les salaires de l'équipe de private equity. Et l'argent réalisé quand il y a une opération de cession, donc qu'est-ce qui récupère l'argent? C'est les investisseurs dans le fonds. Hein, hop, on leur rend leur argent avec une plus-value. Et là, l'équipe de gestion prend ce qu'on appelle un carried interest, c'est-à-dire un performance fee. Elle prend une partie de cette plus-value. Voilà. Alors ça, c'est le détail des plus-values faites par les fonds de private equity. Alors, la plus-value, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Donc, pourquoi est-ce que vous achetez à un prix et que vous vendez à un autre prix? Alors, il y a un effet timing, parce que vous avez acheté au bon moment et vous vendez au bon moment. On a vu tout à l'heure qu'il y a des modes. Si vous vendez au mauvais moment, l'effet timing, il n'est plus là. Après, il y a un effet de mode sur le secteur. On a vu tout à l'heure les panneaux solaires. Si vous vendiez, vous avez réalisé une opération sur des panneaux solaires, qui est un très bon exemple, parce qu'il y a beaucoup de dettes hein, sur les panneaux solaires. Donc là, la dette pouvait aller jusqu'à 80 ou plus, 80-90%. Pourquoi? Parce que les cash flows sont tout à fait prévisibles. Vous savez exactement combien ça vous rapporte sur les 20 prochaines années, puisque le courant était acheté par l'État à un prix fixe. Mais aujourd'hui, plus personne n'en veut. Donc, la valorisation n'est pas la même. Après, ça, c'est l'effet de la dette. C'est les comparables. Pourquoi? Parce que quand vous vendez une entreprise, on va faire une valorisation et la valorisation se fonde sur plusieurs méthodes. Mais la bonne vieille méthode depuis toujours, c'est les comparables. Ta table, elle vaut 100. Toi, tu veux me vendre la même, là, 110. Pourquoi? Donc, on compare. Effectivement, si on a mis une meilleure peinture, si on a réparé les pieds, ça vaut plus cher. Et ça, c'est le boulot du fonds de private equity qui, pendant les années où il est là, il a viré le peintre, il en a mis un autre, il a mis une meilleure peinture et il a une table qui est plus jolie à la fin. Et ça, ce savoir-faire, ça s'appelle l'alpha. Donc, ce qu'on demande aux gérants de fonds, c'est de générer de l'alpha. Et donc, le retour total, c'est la dernière colonne. C'est le cumul de tout ça. Puis si vous avez un élément qui manque, le retour n'est pas bon. Alors là, on a justement un schéma des retours. Donc là, vous avez le rendement des fonds de private equity sur la gauche. Au milieu, vous avez le rendement des fonds venture. On en a parlé au début de l'exposé. Et là, vous avez le rendement du S&P 500, donc de la bourse de New York. Alors, les années 80, on voit que finalement, donc c'était le début du private equity, les rendements étaient tous à peu près les mêmes. C'était des rendements quand même élevés, autour de 15% par an. C'est-à-dire que la bourse rapportait autant que les fonds de private equity. Alors, vous allez me dire, pourquoi faire du private equity? Bon, parce que private equity, il y en a besoin pour développer les entreprises. Et vous allez voir que par la suite, le monde a changé. Parce que la bourse dans les années 80, c'était assez facile. Il suffisait d'acheter et ça montait. Et ça a duré toutes les années 80. Pourquoi? Parce que vous avez eu une baisse des taux très forte en toutes les années 80 qui a mécaniquement fait monter le marché. Mais quand ça s'est calmé, vous avez une grande différence. Donc les fonds de private equity avec effet de levier ont augmenté leur rendement aux alentours de 18%. Ça, c'est les fonds venture qui faisaient un rendement supérieur à 40% par an. Pourquoi? Parce que c'était le début de la technologie et vous avez eu la bulle technologique qui a explosé entre 2000 et 2002. Mais dans les années 90, vous avez eu des histoires extraordinaires. Vous avez eu Netscape qui a disparu. Il y a eu beaucoup, beaucoup de belles histoires. Et ce qui fait que les gens en venture ont très bien gagné leur vie. Et puis ça, c'est la bourse. Et dans les années 2000, on voit que le venture, ça a rapporté zéro, presque. Que le private equity, ça a rapporté moins, ça a rapporté 10%, mais la bourse dans les années 2000, ça n'a pas bien fait. Vous avez eu deux cracks, un crack en 2002 et un crack en 2009, 2008-2009. Donc la bourse, c'était pas terrible. Par contre, le private equity, c'est assez stable. Et ça, c'est une grande différence, c'est-à-dire que vous avez une stabilité dans le private equity que vous n'avez pas dans la bourse parce que vous avez de la volatilité. Ça, c'est un schéma par région.
Alors, donc, dans les fonds de private equity, c'est comme dans la vie, partout, il y a des bons et il y a des mauvais. Donc, les bons ont un pourcentage d'échecs dans leur portefeuille qui est relativement faible. Et puis, après, les autres, plus vous allez vers le fond, plus vous avez des mauvais élèves. Et donc, ça montre le retour que vous avez sur vos participations. Donc, le retour, ça veut dire j'achète à 100 et je vends à combien? Je vends à 200, je fais x2, 300, je fais x3, etc. 1000, je fais x10. Donc, un fonds de private equity, on dit normalement que sur 10 participations, il y en a une qui fait faillite, il y en a 8 qui font moyen, et puis il y en a une qui est extraordinaire et qui sauve tout le reste. Voilà. Il y a quelques exemples, par exemple Facebook, hein, voilà, mais tout le monde n'est pas Facebook. Et des réseaux sociaux, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a eu beaucoup et il y en aura encore. Et puis il y a encore des gens qui en créent. Alors, maintenant on rentre dans un débat un peu plus moral, on va dire. Est-ce que c'est bien ou pas pour l'économie? Parce que le private equity, c'est très critiqué. Alors, les critiques, c'est quoi? D'abord, on dit que les fonds de private equity utilisent de manière abusive le code des impôts. Et les niches fiscales, on entend ça tout le temps, on en parle tout le temps. C'était pas les Panama Papers, là c'est les derniers, je ne sais plus quels c'était. C'était toutes les grandes entreprises qui ont utilisé ce qui leur a été offert pour faire baisser leurs impôts. Bon, après on peut changer la règle, mais la moindre des choses quand on est chef d'entreprise, c'est utiliser tout ce qu'on vous propose, tous les outils. Et donc effectivement, le private equity permet d'optimiser fiscalement beaucoup de choses grâce à la dette notamment qui permet de contrebalancer les actifs et vous faites ça en plus dans des pays où les plus-values ne sont pas taxées c'est ce qu'on dit là hein, en numéro 2 vous avez encore un autre avantage fiscal. Pourquoi? Parce qu'en France, les plus-values sont taxées, mais c'est un des rares pays qui le fait. Aux États-Unis, ça ne l'est pas, en Belgique, ça ne l'est pas, en Suisse, ça ne l'est pas, etc., etc. Donc, quand vous faites, en tant qu'investisseur, une plus-value et que vous faites x2 sur une opération, donc vous achetez une entreprise 100, vous la vendez 200, vous déduisez les 2% de management fee par an sur 5 ans, ça fait 10%, vous enlevez le carried interest du gérant du fonds, et puis finalement, vous avez fait 180% sur votre capital en quelques années. Et il y a zéro taxe. Alors, est-ce que c'est bien ou mal? Peu importe, puisque les pays ont décidé de ne pas taxer, en règle générale, la plus-value pour compenser le risque. Après, on dit que le private equity détruit des jobs. Il est clair que quand il y a un investisseur en private equity qui arrive dans une entreprise qui ne marche pas, il commence par virer du monde. Donc, l'école blanche, comme on a dit, mais aussi, il peut fermer des usines. Est-ce que c'est bien ou mal? Encore une fois, le débat est ouvert, mais si vous ne le faites pas, de toute façon, tôt ou tard, l'usine, elle fermera. Hein. Donc, autant le faire à temps pour sauver les meubles. Sachant que on dit aussi « Ah, mais le private equity est disruptif ». Alors, disruptif, ça veut dire qu'on change tout et puis qu'on change de modèle. Je vous donne un exemple. C'est Eastman Kodak hein, qui faisait des pellicules photo. Eastman Kodak a failli mourir. Puis là, ils ont tout d'un coup lancé une crypto-monnaie. Bon, effectivement, ça, il n'y a pas plus disruptif que ça. Mais ils n'avaient pas le choix, hein, parce que de toute façon, s'ils ne bougent pas, ils sont morts. Donc, c'est une question de survie. Et si vous vous référez à Schumpeter, ça s'appelle la destruction créatrice. Et le monde est comme ça. Donc, l'homme de Néandertal est mort parce qu'il ne s'est pas adapté. Et c'est l'Homo sapiens, donc c'est nous, qui sommes là aujourd'hui. Néandertal, il n'est plus là. Les dinosaures non plus. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est un détail sur l'exploitation des niches fiscales. Donc, la moralité, c'est que si ça ne convient pas à la majorité des gens, il faut changer les règles fiscales.
Donc effectivement, alors quand il y a François Hollande, les règles fiscales changent, et puis après il y a Macron, ça rechange, etc. Bon, ce que veulent les entrepreneurs, c'est une stabilité. Et puis après, les entreprises se calent dans, dans le code fiscal. Alors là, il y a Kering, donc, qui a, paraît-il, fraudé en Italie, il y a 2,5 milliards en suspens. Bon, il faut voir s'ils ont utilisé le code des impôts italiens à bon escient ou pas. Après, il peut y avoir effectivement des gens qui dérapent. Ça arrive toujours. Le carried interest et les plus-values qui sont exonérées d'impôts, encore une fois, ça c'est un choix des pays. Pourquoi est-ce que dans la majorité des pays, il n'y a pas de taxe sur le capital? Parce que quand vous mettez votre capital à risque, vous pouvez tout perdre. Et donc, il est normal que vous n'ayez pas d'impôt dessus. Parce que si vous perdez tout, on ne va pas vous donner, on va pas vous rembourser ce que vous avez perdu. Alors évidemment, la France, c'est un peu spécial. Donc, Valéry Giscard d'Estaing, qui est un président de droite, a créé l'impôt sur les plus-values pour remplir les caisses. Alors, est-ce que fait perdre des emplois? On l'a vu. Donc ça, c'est la destruction créatrice. Et puis, est-ce que changer de business, c'est bon? On l'a vu aussi, c'est indispensable. Voilà. Donc, in fine, le private equity, c'est une partie de l'industrie financière qui est indispensable. Si ce n'était pas indispensable, ça aurait déjà disparu depuis longtemps. Parce que les trucs dont on n'a pas besoin, en général, ça ne reste pas longtemps. Donc, ça a sauvé beaucoup d'entreprises. Ça a permis à des entreprises qui étaient moribondes de se réinventer totalement. Quelquefois, ça ne marche pas. Hein. Alcatel, c'est un bon exemple. Hein. Alcatel, c'était quand même la star des années 90 dans les télécoms. Et puis aujourd'hui, Alcatel, on ne sait pas où ça va. Carrefour, aujourd'hui, c'est le point d'interrogation. Mais il ne s'est encore rien passé sur Carrefour. Peut-être qu'il se passera quelque chose, peut-être pas. Voilà. Et donc, tout ça, ça permet, in fine, de créer des jobs. Et dans les pays où il y a le plus d'opérations comme ça, c'est là où il y a le plus de jobs. Et guess what? C'est les États-Unis. Voilà. Comme toujours. Ce sera peut-être demain la Chine. Voilà. Parce que les Chinois n'ont pas fini de nous surprendre. Aujourd'hui, on connaît mal la Chine. On connaît juste les produits qu'on importe pas cher. Mais en termes de techno, donc là on a commencé cet exposé en parlant de venture rapidement, et de techno, ben, la Chine en termes de techno est en avance sur les États-Unis. Alors on ne le sait pas trop, on ne le dit pas, on ne veut pas le dire, les Chinois ne le disent pas trop parce qu'ils ne veulent pas faire peur au monde entier, mais ils sont en avance. Si vous téléchargez WeChat, avec WeChat vous pouvez payer, vous pouvez tout faire. Donc aujourd'hui les Chinois ils font tout avec WeChat. Il n'y a plus de carte de crédit en Chine. Nous, on a encore la carte de crédit, hein, qui est quand même un truc archaïque, hein, parce que c'est physique et ça se développe encore, parce qu'on vient du chèque. Voilà. J'ai fini. Je peux répondre à vos questions. Y a-t-il des questions, peut-être ? Pas de questions, bonne question, comme disait Coluche. Ouais, alors venture capital, c'est l'investissement dans des entreprises jeunes et ça se fait uniquement en equity parce qu'on ne peut pas mettre de dette parce qu'il n'y a pas assez ni de revenus, ni de chiffre d'affaires, ni de profit. Donc tout ce que vous voyez à la télé et que vous entendez à la radio en ce moment, c'est du venture. Donc c'est des entreprises qui sont créées hier, qui lèvent des fonds aujourd'hui, qui vont lever demain, c'est Uber, par exemple. Alors, Uber, ça existe depuis quelques années, mais c'est ça. Le LBO, c'est dans une entreprise mûre, comme j'expliquais, sur laquelle vous pouvez mettre de la dette parce que vous avez des cash flows qui permettent de rembourser la dette. Donc, par exemple, Carrefour, s'il y a un LBO demain sur Carrefour, il y a des cash flows chez Carrefour. Du coup, je ne comprends pas comment le LBO, il permet d'améliorer les performances financières. Alors, il permet d'améliorer les performances financières parce que si on prend l'exemple de Carrefour qui a une rentabilité, une marge brute élevée, alors je ne la connais pas, hein, mais elle doit être de l'ordre de 50% hein, dans le commerce, c'est à peu près ça, et que vous empruntez à 3%, bah, vous mettez 47% dans la poche et vous ne dépensez pas votre argent. Alors qu'en venture, bah, vous prenez votre argent puis vous le mettez sur la table chez Uber. Puis quand vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus d'argent. Tandis que chez Carrefour, vous avez frappé à la porte d'une banque qui va mettre de la dette
Et vous, en plus de la dette, vous allez mettre un petit peu de votre argent, mais il vous en reste. Voilà. Et comme cet argent, vous l'achetez à 2 ou 3%, et que Carrefour rapporte 50, bah, l'effet de levier, c'est ça l'effet de levier en fait. C'est la différence entre le taux auquel vous empruntez et combien rapporte la société. Voilà. Ouais. Il y a un avenir de private equity lié aux ICO ou à la blockchain ? Non, pour les mêmes raisons. Parce qu'aujourd'hui, les ICO qui sont faites sur des entreprises qui ne sont pas rentables ou qui n'ont même pas de clients. Donc ce n'est pas possible. Mais demain, ça pourrait être possible, bien sûr. Aujourd'hui, c'est très balbutiant, ça, mais c'est sûrement l'avenir. Ouais. Le jour où les wallets seront sécurisés. Parce que le problème de la blockchain, enfin, pas de la blockchain, mais le problème des crypto-monnaies, c'est ça. C'est qu'on vous vole votre argent, hein, quelque part. D'autres questions ? Merci. Merci beaucoup.